Salut YouTube! Aujourd'hui, on fait le déballage d'un pistolet à plomb que je viens tout juste de recevoir ce matin. Le Witness 1911 de Tanfoglio. Tanfoglio étant une compagnie italienne. Le 1911 est une copie pratiquement exacte du Colt 1911 qui a été popularisé par l'armée américaine pendant plusieurs décennies. Donc, on fait ce déballage-là ensemble. On le fait dans mon sous-sol parce qu'à l'extérieur, il pleut. Puis on start ça tout de suite. Mes premières impressions sur le Tanfoglio Witness 1911 que je viens tout juste de déballer. C'est une arme complètement à faire, c'est très bien dans la main, on sent qu'on a quelque chose de pratiquement vrai dans la main, ça devient très intéressant. J'ai hâte de voir avec le blowback qu'est-ce que ça va donner. La finition, la peinture, c'est vraiment super beau. Transsécurité, tout ça, tout fonctionne. J'ai hâte de voir sur le champ de tir qu'est-ce que ça va donner. À 10 pieds, on se rend compte que le Tanfoglio performe très très bien en ce qui a trait à la précision. Hollywood people, I'd rather give time to my fans. You rather chill with these women that like you for money, but I'd rather chill with my fam. À 30 pieds, on est assez limité ce qui a trait au grouping de l'arme. Sauf que quand même, plusieurs tirs se retrouvent dans la cible de 8 pouces, qui est quand même assez bien. Le blowback action amène une touche de réalisme certaine au Tanfoglio. C'est très intéressant là, de tirer et de sentir l'arme qui vibre dans nos mains. Why did you allow your kid to like bad music? Promise I'll do it. I'm trying to give you my everything. Le chargeur accueille une vingtaine de billes ainsi que la cartouche de CO2 et augmente de beaucoup le réalisme de l'arme. Don't waste time with the centerfolds. I'm alive, it's a miracle. Je recommande fortement l'achat du Tanfoglio Witness 1911. C'est une arme avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à tirer, qui donne une touche de réalisme incroyable. Et vous allez vous amuser avec sans aucun doute. Un gros merci à Force Spéciale Rimouski qui m'ont permis d'utiliser leur terrain aujourd'hui afin de faire mes différents tests. Là. Très, très, très intéressant. C'est un terrain de pinball, mais ils m'ont permis de tirer du gun à plomb un petit peu partout. Donc, un gros merci. C'est très apprécié. Encouragez-les.